Jean-Michel Martial est mort dans la nuit du jeudi au vendredi 18 octobre 2019, laissant sa famille, ses proches et ses admirateurs dans une stupeur hébétée. Il était un immense acteur, avec une filmographie impressionnante dont la disparition va laisser un vide dans le monde du cinéma de l'outre-mer. Il nous avait accordé une interview en novembre 2018 dans le cadre du documentaire « Le monde racisé du cinéma français », consacré à la représentation des Noirs dans ce cinéma. Comment cet acteur prolifique, au cursus atypique dans le milieu du cinéma, dentiste de formation, arrive-t-il dans ce milieu ? Simplement la confiance en soi. Ouais. Le seul, c'est la confiance en moi qui fait que je me suis dit « tiens, j'ai envie de faire ça et je vais avoir ma place là-dedans ». Voilà, c'est tout. Si j'avais pas confiance en moi, j'aurais dit « oh là là, je quitte un métier où je peux gagner ma vie et pour partir à un endroit où je connais rien, où j'y... » Voilà, j'aurais eu peur. Alors. Donc moi, j'ai pas eu peur et je suis allé vers ça parce que ça me plaisait et je voulais m'exprimer dedans, voilà. Homme de dialogue qui voulait établir des ponts là où certains voulaient ériger des murs, Jean-Michel Martial était un passeur de monde. J'ai une envie très précise à l'intérieur de moi et j'essaie de la matérialiser. D'accord. Donc ça m'emmène à m'engager dans une direction ou dans une autre, soit dans un projet de théâtre, et ça peut se traduire par la création d'une compagnie de théâtre, justement. Et l'autre souffle. La compagnie L'autre souffle, où il y a un domaine d'activité dans cet espace-là, et puis voir ce que je peux y faire. Et soit j'ai pas d'envie, et dans ce cas-là, peut-être qu'on me sollicite et on me propose un travail. Il y a des choses qui partent de moi et des choses qui viennent des autres. Moi, je me suis dit que dans la vie, il y a deux choses de toute façon. Oui. On ne peut pas fonctionner avec la main en forme de louche, c'est-à-dire être passif et dire « Ah ben, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'aimera pour qu'on puisse me proposer du travail. » Ça peut arriver, mais ça peut très bien ne pas arriver. Moi, je me suis dit dès le départ « Ok, j'ai pas de boulot, alors je vais en inventer et je vais en créer. » Donc j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi ceux dont j'avais envie de parler, les auteurs que j'avais envie de rencontrer avec plus d'acuité. Et j'ai dit « Ok, bon, on va lancer tel projet, tel projet, tel projet. » Donc c'est simple, dans la vie on respire, on inspire et on expire. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement en train d'attendre, ça part de soi et ça vient à soi. Ce projet, c'est l'esprit de la rencontre. La rencontre, que faisons-nous de la rencontre ? Et en particulier de la rencontre entre la pensée africaine et la pensée occidentale, la pensée européenne. Pour moi, la rencontre entre ces deux modes de pensée, ça a donné une structure mentale. Cette structure mentale, elle est totalement unique au monde, elle est très particulière, et elle s'exprime dans un espace particulier qui est la Caraïbe. Il s'exprime en français, en anglais, en espagnol, en créole et en néerlandais. Voilà. Donc mon idée, ça a été de célébrer la rencontre entre cette pensée africaine et cette pensée occidentale à travers notre réalité artistique, notre capacité à créer, à proposer des œuvres. Et dans mon domaine de compétences, qui est le théâtre, j'ai eu l'idée donc d'appeler des gens autour de moi et de faire en sorte que nous nous réunissions pour, au départ, identifier les œuvres de théâtre qu'il y a eu dans la Caraïbe, en français, anglais, espagnol, créole, néerlandais. À partir de là, essayer de déterminer celles qui peuvent être emblématiques de ce théâtre-là. Et puis dire, tiens, mais il existe le répertoire de la comédie française. C'est bien, Racine, Voltaire. Et si nous créions le répertoire de l'espace Caraïbe, on pourrait y rencontrer de sacrés auteurs, parce qu'il y a une manière de penser qui est complètement touchante, qui est complètement particulière, qui est la nôtre. Et lorsqu'on la découvre et qu'on n'est pas de la Caraïbe, on trouve que cette langue, cette manière de penser est très belle. Lorsqu'on tombe sur un ouvrage de Chamoiseau, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça revitalise la langue française. Alors il y a des auteurs anglophones qui sont exactement dans la même démarche. Quand on voit Derek Walcott, excusez-moi, il n'a pas fait exprès, il a pris son stylo, il a écrit, les gens l'ont nommé prix Nobel de littérature. Voilà, on a Maryse Condé, dont on parle aujourd'hui, dont il faut faire l'éloge encore aujourd'hui. Voilà, un prix Nobel également. Donc nous avons des auteurs et à nous de les célébrer. Donc on commence à les célébrer et je pense que j'aurais gagné mon pari totalement lorsque quelqu'un à Dijon, à Besançon, à Strasbourg me dira
Précisément, ouais. Mais cette pièce-là, je ne savais pas. On va la monter l'an prochain, voilà. On aura dépassé notre espace d'appartenance dans lequel on est confiné pour s'ouvrir à l'autre totalement. Et cette volonté d'établir des ponts se heurte cependant à des résistances et au conservatisme d'un milieu culturel français réticent à s'ouvrir à d'autres narrations d'histoire qui ne font pas moins partie du roman national. Je trouve que c'est largement insuffisant, que ça ne va pas dans le sens de l'histoire, que c'est une attitude que nous devons changer, et les uns et les autres, chacun à notre place. C'est-à-dire que les directeurs de lieux culturels, oui, les metteurs en scène, les producteurs, mais également les artistes, les autres, c'est-à-dire les comédiens, ceux qui font les spectacles, ils doivent, en tout cas ils peuvent, avoir à l'esprit cette curiosité d'aller et de faire vivre ces œuvres-là et de créer les conditions qui vont nous permettre de nous exprimer, nous aussi, avec nos textes, mais aussi dans tous les autres textes. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, une situation tragique est une situation tragique. Et qu'on regarde, ce qu'on regarde le plus souvent, ce sont des personnages. On ne regarde pas un homme noir ou une femme noire. Tout à fait. Ça peut être intéressant, mais au demeurant, ce qu'on regarde, c'est quelqu'un qui vient de perdre son fils et il est touché par ça. Ou quelqu'un qui vient de trahir son épouse, il est dans une situation particulière. C'est la manière dont il va vivre cette réalité-là qui est intéressante, avec les mots des grands auteurs. Il ne va pas réagir en homme noir. Absolument. Moi, si on me demande, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, en comédien noir? Je dis, ah bon, et vous êtes un journaliste noir? Non, je suis un comédien. Voilà. Vous êtes un journaliste, je suis un comédien. Pour moi, c'est très clair. Et à partir de là, j'ai des choses à faire, des choses à proposer, des choses à partager. Le combat des actrices noires. Dans le manifeste « Noir n'est pas mon métier », avait inspiré à Jean-Michel Martial quelques réflexions sur le combat, sur la représentativité et la représentation des Noirs dans le monde du cinéma. L'existence de ce groupe, leur mouvement, oui, m'inspire deux choses. Un regret. D'abord, je regrette qu'à notre époque, en 2018, on en soit encore là. C'est-à-dire que leur action, elle est nécessaire. Et je regrette vraiment qu'on en soit encore là, qu'on soit obligé de faire ça. Maintenant, ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de respect, parce qu'il faut du courage. Beaucoup de respect et beaucoup de mérite également pour leur action. Parce que se mettre en avant de cette manière-là, dire non, je refuse ce que le système propose et je vous oblige à regarder ce que le système propose, ne nous dites pas que vous ne savez pas, parce que maintenant vous savez, et avec cette action-là, tout le monde le sait aujourd'hui. On ne peut pas dire en France, liberté, égalité, fraternité, c'est la règle. Non, ce n'est pas la règle. La preuve, la manière dont certains comédiens sont considérés, ça traduit bien que l'égalité n'est pas réelle. Elle est à construire, mais elle n'est pas réelle. Moi, je croyais, lorsque j'étais enfant, que liberté, égalité, fraternité, voilà, c'était la France. Je comprends maintenant que c'est l'objectif de la France. Mais c'est à construire chaque jour au quotidien, avec les armes qui sont les nôtres. Sinon, il faut en inventer. Et capturer l'espace de visibilité publique en faisant un acte fort, tel qu'elles ont osé, qu'elles ont réussi à le faire en se présentant au Festival de Cannes, qui est la plus grande vitrine française de toute l'année, je trouve que c'est absolument remarquable. J'ai l'acte de vente. On commence. Alors, je lis la description du bonhomme et on se débrouille pour trouver celui qui correspond le mieux. Jupiter, Congo, mâle. Celui-là, c'est le sol du Congo. Rabelais, le front bas, musculature parfaite. Ouais, c'est lui. Télémaque. Qui est-ce qui Télémaque? Lui. Télémaque. Ouais, il a une tête à s'appeler Télémaque. Arada, grand, musculature sèche. En tout cas, au niveau de la représentation de la population qui habite la France, qui compose le peuple français, force est de constater que majoritairement, ceux que l'on voit ne représentent pas toute la population.
Voilà. Et je le dis avec un grand sourire, mais je peux le dire aussi de manière beaucoup plus concernée, parce que ça génère des souffrances chez tous ceux qui veulent être comédiens ou comédiennes, mais il n'y a pas que ça. Tous ceux qui ne se voient pas ou qui ne peuvent pas s'identifier au modèle qui est proposé. Alors maintenant, si on réfléchit, et là on pose une vraie question. Quel est le modèle d'identification français? Lorsqu'on fait de la chirurgie dentaire, on dit, bon, vous voulez, on va travailler sur l'implantation des organes dentaires. Et il y a des analyses qui permettent de mesurer l'angulation du maxillaire inférieur, du maxillaire supérieur, l'angulation des dents dans la direction de l'évolution de l'organe dentaire. Il y a des angles, front, là, le nez, etc. Nasion, pogonion, voilà, on connaît des angles. Alors il y a des analyses, l'analyse de Ricketts, etc. Voilà, il y a une norme. Alors après, on peut déroger à cette norme, mais il y a une norme, une base. Ok. Aujourd'hui, si on applique ce raisonnement à la culture française, on dit quel est le modèle? Et on ne peut pas répondre. Avant, il y avait un modèle, c'était blanc occidental, 70 kilos. À peu près. Je me trompe, mais globalement, le principe, c'était ça. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est qui? Il y en a beaucoup d'individus qui pensent encore que le référent, le modèle d'identification, c'est le modèle blanc. Ils ne se posent pas plus de questions que ça. Ils disent oui, bon, ok, voilà. Et sauf que ce n'est pas la réalité. Voilà, on est dans un lieu public, le théâtre, c'est la vie, il y a la sonnerie. Je dis, c'est la réalité. La réalité, c'est que dans la rue, quand on marche, on est dans une grande métropole, on est à Paris. On pourrait être à Bordeaux, on pourrait être à Marseille, on pourrait être à Nantes, on pourrait être à Saint-Étienne également. Mais la population n'est pas monochrome. Absolument. Elle n'est absolument pas monochrome. Donc, aujourd'hui, et le ministère de la Culture le sait, un individu non représenté est un individu qui devient schizophrène, est un individu qui devient fou. C'est-à-dire qu'en continuant de la sorte, le gouvernement, les gouvernements, créent une société malade. Donc des individus qui ne peuvent pas s'identifier à un modèle qui leur ressemble, donc ils vont être déjà pénalisés. D'autre part, s'il y a des individus qui se sentent supérieurs, ce sont des gens qui sont malades, au même titre que les individus qui se sentiraient inférieurs. Voilà. Or, tous les deux sont malades. Et il faudrait que les deux puissent se soigner, qu'on dise à quelqu'un, mais non, c'est quoi cette histoire de complexe d'infériorité? Ce que tu as est unique, ce que tu as est nécessaire. Là, c'est bien que ça sonne parce que ça oblige tout le monde à tendre l'oreille. Voilà. Ce que tu fais est nécessaire, on a besoin de toi. Et en même temps, ça ne suffit pas. Il faut simultanément être à même de dire aux autres, ceux qui se sentent ou qui se croient supérieurs, qu'est-ce que tu as de supérieur? Tu vas aux toilettes tous les matins. Alors qu'est-ce que tu as de supérieur à l'autre? D'accord? Tu penses, il y en a qui pensent plus vite que toi. La réalité, c'est que toi aussi, tu as été trompé par une proposition, par une lecture de l'histoire, ouais, dont l'objectif était de créer un modèle d'identification dont tous les Blancs seraient fiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que Georges Nicolau a participé à la création de la bombe, à la bombe atomique, ouais, c'est-à-dire qu'il était docteur en physique nucléaire. On sait que la défense de Paris a été organisée. Organisée par un Guadeloupéen, Mortenol. Voilà, Mortenol. Par le commandant Mortenol. On le sait, ou s'il y avait eu, il y a 20 ans, à l'initiative d'autres comédiens, parmi lesquels vous retrouverez Franz Zobda, vous retrouverez Makakoto, qui est au Canada maintenant, oui, oui. Julius Amédée Lahou, qui fait du théâtre dans une autre région, etc. Accessoirement, il y avait moi, il y avait également mon frère. On avait créé Greg Germain. Nous avions créé un collectif de théâtre, regroupé sous le nom de Collectif d'Hommes, et nous proposions des alternatives, nous proposions un chemin politique qui puisse modifier la visibilité des ultramarins, ouais, et en particulier des comédiens. On a contacté les gens du CSA, on a contacté les gens de l'Assemblée nationale, on a fait un travail énorme. Et c'est pour ça que je dis beaucoup de respect, parce que ça demande un engagement réel, et je regrette que ça n'ait pas suffisamment porté ses fruits. Mais avant nous, il y avait encore les Robert Liensol, il y avait Darlene Legitimus, c'est-à-dire oui, que rien, jamais n'est acquis, et nous devons continuer à travailler à faire cette devisibilité une réalité. La lucidité des réflexions de Jean-Michel Martial
sur l'absence de diversité ou le peu de diversité dans le monde du cinéma français et dans le monde culturel en général. Un témoignage très concret, mon frère, qui oui. est président maintenant oui. du Memorial Act oui. en Guadeloupe, était à une longue vie de comédien. Il a été comédien, il l'est toujours. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé, on voulait rentrer à la comédie, on se disait « mais il n'y a pas de noir à la comédie française ». Alors, moi j'avais été invité à jouer à la comédie française une fois, deux fois, ça s'est arrêté à deux fois. Mais il n'y avait pas de noir qui était en permanence à la comédie française. Vitesse était directeur de la comédie française à l'époque. Et Jacques, mon frère, donc Jacques Martial, a écrit à Antoine Vitesse, le grand intellectuel, le grand penseur, le maître, l'un des maîtres du théâtre Vitesse, français, mais reconnu mondialement, qui a répondu par écrit à Jacques Martial, qui a toujours la lettre. On ne peut pas mettre en doute sa pensée, mais il n'est pas possible qu'un comédien noir intègre durablement ou de manière continue la troupe de la comédie française, signé Antoine Vitesse, un intellectuel qui est censé avoir 25 ans d'avance sur les autres. On part de là, quand même. Donc, oui, les mentalités sont à changer, il ne faut pas s'en étonner, mais c'est comme ça. Quel message a envoyé à une jeunesse qui, a priori, hésite à se lancer dans une carrière d'acteur ? Eh bien, qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir ce rêve-là, parce que c'est un beau rêve, et qu'il faut maintenant s'arranger pour le faire vivre. Quand on dit s'arranger, ça veut dire qu'il faut beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Il faut rendre hommage aussi à nos metteurs en scène, vous voyez. Christian Lara. Christian Lara, qui a été celui qui a ouvert les portes, pour ainsi dire. Bah, il a ouvert les portes, c'était le premier, il n'y a pas de c'était, et qui se bat pour réaliser toujours. Pour réaliser des ouvrages, quoi. Il était le premier à croire à son rêve de journaliste. Non, il était journaliste et il a quitté le métier de journaliste pour faire du cinéma. Et pour faire un cinéma typiquement guadeloupéen, c'est le père du cinéma guadeloupéen. Tout à fait. De toute façon. La Rose. C'est un fait, point. Voilà. Donc, voilà, il y a cru à un moment où ce n'était pas pensable. Il y a pensé, il s'est battu et il l'est. Donc, oui, je ne veux pas dire les choses. La fleur. Les choses ne sont pas faciles, elles ne sont jamais faciles. Mais en même temps, combien belle est la victoire, hein ? Engageons-nous à créer des victoires. On est devant. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans des métiers individuels. On a souvent l'impression que quand quelqu'un fait quelque chose, on dit ah ben j'aurais pu le faire ou j'aurais mieux fait ou ah ouais. Une espèce de. Alors que essayons de nous dire ah c'est bien, il a eu le rôle là, c'est super. Ça va nous ouvrir des portes à tous. Envoyons-lui de la force. C'est bien. Je t'en serai, tu dois m'aider. La femme n'a pas la force de travailler à la canne. Le maître ne veut plus d'elle, t'as entendu? Mieux vaut travailler à la canne qu'être vendu. Ma femme mourir dans ce serré. Je me débrouillerai sans toi. T'inquiète pas, Doudou. Je vais te trouver une autre place. Une bonne place. La posture victimaire, il n'y a pas de place pour ça, il n'y a plus le temps pour ça. Ça suffit, c'est terminé. Maintenant, on est responsable de ce qu'on fait. D'accord ? Et on est surtout responsable aussi de nos abandons. Alors, n'abandonnons pas. Quand on dit fausse courage. Ça veut dire quelque chose. Détermination, ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Rien n'est facile. Et se lever à 4h du matin pour aller faire du pain pour quelqu'un qui va dire « Ben non, je ne veux pas ce pain-là », c'est pas facile. Rien n'est facile. OK ? Donc maintenant qu'on sait que c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaie de s'organiser. Organisons-nous. Mais pas contre l'autre. Si vous voulez vous battre contre les autres, allez-y. Battons-nous pour exprimer ce qui est en nous. Pour exprimer ce qui est en nous et partageons-le. Et les modes de production, oui, c'est une chose. Alors, il y a des gens qui vont être producteurs, on va les rencontrer, chercher, on va finir par les identifier et on va finir par les rencontrer. Et si on ne rencontre pas ces gens-là, eh ben, inventons des choses. Filmons nos. Et puis mettons sur Internet ce qu'on a filmé. Et si on a du talent, il y a quelqu'un qui va dire mais bon Dieu, mais qui sait ça ? Mais allons-y, allons plus loin.
Ne nous limitons pas à ce qui existe, inventons des choses, inventons. Je crois que c'est notre responsabilité, elle est là notre responsabilité. Mais je peux pleurer en disant, mais le festival, il n'est pas développé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de pleurer. J'ai putain d'envie d'avancer. En dessous de ça, il n'y a rien.